Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, aujourd'hui je suis tombé sur une petite vidéo de Maman Aïcha qu'on est encore frappée. Oui, Maman Aïcha qu'on est encore frappée. Maman Aïcha qu'on est, tu es en train de demander pardon à Papa Ado. Et qui est en train de demander pardon à Maman Dominique Ouattara. Concernant l'arrestation de Peter 007. Et Maman Aïcha Kone va rentrer dedans pour dire non que. Dans ses dits, je ne sais pas si vraiment son pardon est sincère. Parce que dans la vie, quand tu viens demander pardon, il y a des paroles que tu ne viens pas dire. Dans ses paroles et dans son pardon, elle a dit non que oui. C'est quel président on n'a jamais insulté? On insulte toujours Papa Ado. On insulte donc ça là, c'est pas du nouveau. Mais le problème est que Maman Aïcha Kone, les fans de Maman Aïcha Kone, dites à cette mère-là que elle se trompe. Elle se trompe. C'est pas à cause des choses, comment dirais-je, l'injure. Et les menaces de mort que Peter a tenues à travers son Facebook là, s'adresser à Papa Ado que non, je suis rentré en Côte d'Ivoire, je vais faire coup d'État, je vais te tuer, je vais uriner sur toi ou je vais faire ceci. Papa Ado, lui, l'a buté. Juste quelqu'un, ils sont allés profaner la tombe de sa mère, il n'a rien dit. Les injures là, va lui faire quoi? Peter a tenu des propos. Peter a tenu des propos pour dire non que moi, j'étais le chef de l'escadron de la mort. J'ai tué des gens. Et encore, il a fait une autre vidéo où il dit non que oui. Après, le juif il rentre en Côte d'Ivoire et puis le pays là, le coup, les choses, comment dirais-je, il reçut à lever Papa Ado au pouvoir. Il y a deux personnes que lui il attend, qu'ils sont sur sa liste, qu'il va tuer. Imagine-toi. Toi, Maman Aïcha Kone, si ton fils Tchaga, et je ne sais pas, tu as combien d'enfants. Si on finit de les tuer, et la personne qui a tué, et il vient sur la toile, et il dit, c'est moi qui ai tué le fils, les enfants de Maman Aïcha Kone, moi c'est moi, oui, moi j'ai fait ça, je suis le patron d'escadron de la mort, moi je viens en Côte d'Ivoire, je vais faire règlement de compte aux gens. Mais si la personne met ses pieds en Côte d'Ivoire, tu vas lancer mandat d'arrêt sur lui, pour qu'on l'arrête. Parce que lui, ce qu'il a fait chez lui, tuer tes enfants là, il dit il est fier de les tuer. Toi, tu vas dire quoi? Tu demandes pardon à Papa Ado, mais tu dis non que tu penses que c'est les injures. Vous, mais vous voyez des propos qu'il a tenus. Tu dis non que oui, tu as vu les propos de type Peter 007. Donc, si tu as vu là, mais pourquoi tu n'as pas vu où Peter a tenu des discours guerriers où il est en train de glorifier le nom ou soit son quoi là, mais où il a tué des gens. Mais pourquoi tu n'as pas vu cette vidéo là? Pardon, dis-le, pardon de ses familles ou de ses parents là. C'est ça, toi, tu regardes, tu dis non, ça te fait. Ah, donc, ceux que Peter a tués là, eux, les parents là, tu dis quoi? Maman Aïcha Kone, il faut nous prendre au sérieux. Nous ne sommes pas les bétails, nous ne sommes pas les cafards. Et puis, vous allez nous manipuler. Vous êtes connus. Toi-même, la maman, la diva, c'est toi-même, tu pourrais vous dire, ah, franchement, la famille de Peter, vous-même, votre fils, mais ce qu'il a fait là, c'est méchant. C'est vraiment méchant. Comment tuer des gens et puis venir parler de ça si les réseaux sociaux, puis dis non que toi, tu es fier de faire ça? Maman Aïcha Kone, je sais que tu as vu la vidéo, mais tu fais semblant de dire, tu n'as pas vu. Franchement, la famille, voici les propos de Maman Aïcha Kone, bien avant que je rentre dans le but du sujet. Oui, n'oublie pas de partager la vidéo. Et puis aussi, reste branché sur cette vidéo-là jusqu'à la fin. Moi aussi, j'ai mes 2 mots à dire à Maman Aïcha Kone. Ouais, voici la. Sabari Kanyela. Sabari kanyi nikila juru besara ibe munyini ala boroto sabari kanyi nikila juru besara ibe munyini ala boroto. Mesdames et messieurs, mon message aujourd'hui s'adresse au président Alassane Ouattara. Mon président, ces derniers temps, je vois une image qui circule sur la toile concernant un jeune qu'on appelle 007 Peter.
Je viens plaider pour sa cause parce que je pense que si il a accepté de venir à Abidjan faire une émission, c'est qu'on l'avait, on lui avait garanti une certaine assurance qu'il n'avait pas à craindre pour sa venue en Côte d'Ivoire parce que nous sommes dans la réconciliation. C'est comme ça que je vois la chose. Effectivement, j'ai vu des images concernant Peter 007 qui vous a vraiment proféré un langage pas gentil, pas poli, pas respectueux. Ah oui, j'ai pas apprécié. Parce que un grand a droit au respect. Mais il faut que ce grand à qui je m'adresse sache aussi que c'est dans quel contexte ça s'est passé. Je crois que ça s'est passé il y a un bon moment. Aujourd'hui, nous parlons de la réconciliation. Mon président Alassane Ouattara, moi je ne veux jamais vous mentir en tant que Kone, et vous, vous êtes Ouattara. Vous savez bien les liens qui nous lient. Je ne mentirai jamais à un allié. Je vois sur la toile des gens, « Oh, il a osé faire ça ? Comment on peut insulter le président ?» Mais, hey, mon président, vous êtes un croyant. Des prophètes comme Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam, n'étaient calomniés, humiliés, rabaissés. Mais ils ont toujours dit, « Je pardonne. » Le prophète Jésus, alayhi salam, il a connu les mêmes déboires. Hein? Il a pardonné. Noé, quand il devait faire sa barque et tout, quelle humiliation, même son épouse et son fils étaient dedans. Il a pardonné. Bon, celui qui va dire qu'il peut être grand sans rencontrer de difficultés, que tout doit être beau pour lui, c'est faux, mon président. Moi, Isha, je ne peux pas vous mentir. Si je ne vous mens pas parce que je suis connu, je ne vais pas vous mentir par rapport à ce que vous avez fait pour mon frère Abdoulaye. Dès qu'il ne fût révélé, je ne serai jamais une ingrate pour toi et ton épouse Dominique, qui m'a toujours considéré comme une soeur. Mon président, j'ai vu l'image du père et de la mère de Peter 007 sur la toile, c'est pathétique. Sauf pour une personne qui n'a pas de cœur. C'est pathétique. Même vous, je dois me dire, je ne suis pas dans votre milieu, mais si vous avez vu l'image de la maman et du papa qui se mettaient à genoux, c'est beaucoup. Dieu ne peut pas vous offrir plus que ça. Il ne faut pas écouter ceux qui prennent plaisir autour de vous à vouloir le condamner, c'est pas ça. C'est pas ça. Celui qui pardonne, c'est pas signe de faiblesse, hein. Au contraire, c'est grandeur d'esprit, c'est une vertu que tout le monde n'a pas. Et je souhaiterais vraiment qu'il en soit de même, que ce soit pour toute notre sœur qui est déjà là-bas, qui s'est prisonné là, même le cas de celui-là, sa mère et son père que j'ai vu en train de s'agenouiller pour vous, mon président, et ça va. Tout finira par le pardon. Et prenons ce pardon-là quand Dieu nous le donne. Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Je m'adresse à vous et à Dominique Ouattara, ma sœur. Libérez, s'il vous plaît, Peter 00. Lui, il a dit, mais est-ce qu'il a pu faire? Est-ce qu'il a réalisé? Donc, déjà, vous avez une satisfaction vis-à-vis de Dieu. Donc, ça nous fera plaisir, nous qui, enfin, tous ceux qui s'associent à moi, pour plaider pour le cas de Peter. Parce que il faut prouver aux autres qui sont en exil, qui peuvent rentrer. Sinon, ceux qui ont invité Peter,
quel que soit ce qu'ils auront fait, si ça n'aboutit pas, eux-mêmes là, ils auront leur karma. Ça c'est clair. Ils auront leur karma parce que on voit les réactions des uns et des autres et des choses qui se pardonnent. C'est à vous qu'on a dit ça il y a des années. Si rien ne vous est arrivé, c'est pas maintenant on va venir le prendre. Au moment où il a espéré voir ses parents après 12 ans. Si vous coupez cet élan-là de joie que ses parents ont eu, mon président dit, ni baisser, tu peux modérer, tempérer. C'est pas la peur. Moi, je ne vous mentirai jamais. Je ne vais pas le faire. Ils sont beaucoup autour de oui, c'est pas normal. Ça se fait pas. Même Dieu, même on le critique. Ses prophètes ont été critiqués, désavoués et tout. Mais eux, ils ont prôné le pardon. C'est ça la grandeur de nous. Je voulais encore, je reviens encore. La fois passée, c'était pour les prisonniers politiques. Je n'ai pas eu gain de cause. Je reviens encore pour ça. Peter, que j'ai vu, sa maman le mettait au dos parce qu'elle était heureuse de le voir. Mais ça, c'est une bénédiction pour toi, ton épouse et pour ceux qui l'ont invité. Maintenant, si ça, là, ça devient la tache noire dedans, c'est pas bon. L'élan de joie, de plaisir que cette famille a eu, mon président, il faut les laisser dans cette joie-là. S'il vous plaît, libérer leur enfant. Ça fait pitié, là. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ceux qui disent, oh, c'est pas normal. On ne doit pas dire ça d'un président. Qui? Vous connaissez un président qu'on n'a pas insulté? Vous connaissez ça? Ou bien ça doit commencer par vous? Non. Ils ne vous le diront pas. Mais moi, je vous le dirai. Vous avez beaucoup fait pour moi. Vous avez fait pour Aboulaye, c'est pour moi que vous avez fait. Quand les choses arrivaient chez Aboulaye, c'est moi qui l'appelais. Je dis, voilà ce que Dominique et son mari ont fait pour moi. Ça, je ne vais jamais l'oublier. Jamais. Mais là où je peux te parler, je dois le faire. En tant que Kone Ouattara, je m'adresse à toi et à ton épouse. Il faut libérer, s'il te plaît, Peter 007, à cause de ses parents, sa maman, la joie qui est... Non. Aïe, ça va, il ne faut pas... Elle a vu le soleil et tout d'un coup, vous voulez la ramener dans les ténèbres. Le président, vous pouvez annuler ça. Remettez cette famille dans la lumière. Vraiment. Merci et je sais que vous allez me comprendre. Je m'adresse aussi à ma soeur Dominique Ouattara. Ma soeur, vous parlez à ton mari. On n'a qu'à libérer Peter. Je ne sais pas, Dominique, si tu as vu la photo de la maman de Peter et le papa à genoux. On ne peut pas demander plus. Moi, je dis pardon. Je me joins à tous ceux qui plaident pour Peter. Vraiment. Je demande pardon. Il faut qu'on ait une réconciliation vraie. Ça envoie encore le doute. Ceux qui sont en exil vont dire, mais on peut rentrer dans ça. Hein? Est-ce que c'est normal? Parce qu'ils ne seraient pas venus hein, s'ils n'avaient pas eu d'assurance. Et là, ceux qui lui ont donné l'assurance, là, ils vont passer pour de fausses personnes. Et ça peut jouer sur leur maison qui a invité Peter. Moi, je le dis, je suis dans la rue, je suis dans le monde. Ça peut jouer sur leur maison qui a invité Peter. Et on n'insulte pas. Je fais appel à votre miséricorde, à votre indulgence. Surtout Dominique Ouattara. Wallahi, tu m'as toujours prouvé ton attention, ton affection. Encore une fois, il faut me le démontrer. S'il te plaît, ma soeur. Merci. Ah!
On attend Drama Ouattara sur le front de Kafolo. C'est Kafolo, non? Oui, Kafo. C'est Kafolo, non? Moi, je ne connais pas trop les noms des trucs, là. C'est Kafolo. On a vu Idriss Déby en train de faire combat. Hein. Lui, il va combattre avec ses troupes. C'est vrai que c'était un dictateur, c'est vrai que c'était un connard, un chien, mais heureusement, lui au moins, là, il va au front. Lui au moins, il combat. Lui au moins, c'est un combattant. Hein? Donc, on attend les photocopies. Là. Les photocopies, là, ne partez pas à Kafolo. Hein? On ne partez pas à Kafolo avec... Ne partez pas à Kafolo quand tout est fini pour aller saluer les militaires. Allez-y au front. Hein? Allez-y au front avec, avec les militaires pour faire le combat. Voilà. Parce que nous, on sera au front pour enlever Draman. Oui. Nous, on va pas rester derrière la caméra pour crier. Le jour où on a attaché Draman pour couper ses testicules-là, nous, on sera sur terrain. C'est pas un débat. Voilà. On va attacher les testicules, on va couper ça. On va couper Belekli là, on va couper ça. Voilà, et puis on va faire chose graine là, ça pour manger. Le jour où on dit Draman est tombé, la Côte d'Ivoire. Il faut quitter la Côte d'Ivoire. Nous là, moi-même d'ici là, je peux finir toi. Je suis le chef des escadrons de la mort. Le chef des escadrons de la mort, sous Babo, t'as pas peur de lui. Hein? Je suis le chef des escadrons de la mort. Mais un chef d'escadron de la mort, tu connais ce qu'on appelle escadron de la mort? Tu n'as pas peur de lui. C'est-à-dire, même le chef d'escadron de la mort même a fui pour venir à Bengué. Mais ses éléments sont à Abidjan. Et puis, tu n'as pas peur. Mon frère, vous êtes deux sur ma liste. Et je m'occupe de vous. Ah oui, ça, sûrement. J'ai dit, personne ne pourra m'arrêter pour ça. Personne ne pourra me dire non. Vous êtes deux sur ma liste. Je m'occupe de toi. Ben, ça s'est passé. On arrive bientôt à Abidjan. Tous les Tchokrobas sont morts. Sauf lui. Il est serré. On prend ça. Et pourtant, ces cercueils qu'on aligne, comme les investigations de plusieurs organisations des droits de l'homme le prouveront, ce sont ceux de victimes des escadrons de la mort sous le commandement de Laurent Gbagbo et de son entourage immédiat. Il ne s'agit donc pas de petits marginaux, comme le lance avec condescendance et mépris le président ivoirien. Devant l'ampleur des massacres, et contre l'orthodoxie religieuse et les valeurs culturelles dans le pays, c'est parfois dans des fosses communes qu'on enterre les victimes. Sous Laurent Gbagbo, les morts ont souvent une religion, l'islam. Sous Laurent Gbagbo, les morts ont souvent une origine, le nord de la Côte d'Ivoire. Sous Gbagbo, les morts ont souvent une coloration politique. Bref, la famille, vous-même vous avez écouté ce que Maman Aïcha Kone a dit. Ceux qui ne connaissent pas Maman Aïcha Kone, vous voyez des choses comme ça. Maman, vraiment, je suis ton petit-fils. Moi, je dis, je suis porte-parole de cette jeunesse ivoirienne. Donc, je pense que ceux que Pete a tué, ce ne sont pas les hommes âgés, ce ne sont pas les vieillards, c'est des jeunes qu'il a tués. Ceux qu'il a tués, là, eux, les parents, là, souffrent encore. Les parents souffrent encore. Mais aujourd'hui, tu viens allumer la caméra, tu viens faire une vidéo, tu es en train de demander pardon. Avant de demander pardon, il faut chercher à comprendre. Ce petit-là, il a fait quoi au juste? Et qu'aujourd'hui, la toile en train de s'enflammer et on lance des vidéos où il a tenu des propos négatifs. Mais tu n'as pas fait des recherches, tu t'élèves, non? Moi, je suis Kone, toi, tu es Ouattara. Oui, c'est la même famille. Ah bon? Donc, toi, et papa Adola. À peu près, vous avez même famille. Et tu le déniques. Tu as fait une chanson où tu as parlé, tu as félicité Assimi Goïta et puis tu as dit des propos. Maman, on n'a qu'à se respecter dans ce pays-là. On n'a qu'à se respecter dans ce pays-là. Toi, tu peux accepter que quelqu'un vient tuer tes enfants et la personne va se glorifier pour dire j'ai tué les enfants de Maman Aïcha Kone et je suis content, je suis fier. Quelle est ta réaction là? Quelle est ta réaction là, la maman? Attends, quand je vois très bien, si imagine, tuer des jeunes, tuer des personnes. Donc, ça, c'est comme un plaisir. C'est comme un plaisir. Ce n'est pas bon. Si c'était les injures,
On peut accepter, on dit, oh bon, c'est les injures, tout le monde. Mais tuer quelqu'un, le sang versé, et tu es content pour dire, j'ai tué des personnes. Et on quitte là, tu dis, il va tuer le président, il va uriner sur le corps du président. Et le juge, il rentre en Côte d'Ivoire, il va faire coup d'État. Mais vous savez très bien, Maman Aïcha connaît, le Mali a attaqué. Le Mali a eu coup d'État. Burkina a eu coup d'État. La Guinée a eu coup d'État. C'est la Côte d'Ivoire, les gars, visent à aller là. Donc la Côte d'Ivoire est très sensible. Donc des propos que les gens viennent parler, non, moi je vais renverser la Côte d'Ivoire là. Mais quand quelqu'un fait sortir comme ça, c'est qu'il sait, c'est ce qu'il compte. Maman Aïcha connaît. Ta sortie n'est pas bienvenue. Moi, je le dis. Ta sortie n'est pas bienvenue. Faut pas, ils vont dire, oui, Maman Aïcha connaît, il y a des trucs, elle parle dedans. Mais ici, pourquoi elle n'a pas parlé dedans? Maman Aïcha connaît, tes propos sont pas bienvenus. C'est le sang versé là. C'est ça, tu nous fais mal. Et aussi, les propos, il a tenu pour dire non, que je vais tuer Papa Ado et je vais uriner sur lui. Mais c'est quand même grave. Lui, si c'était lui seul, lui peut pardonner parce que quelqu'un, ils ont profané la tombe de sa mère. Il n'a rien dit. Mais un juge va lui faire quoi? Un juge, ça va. Tous les jours, les gars l'insultent. Mais le sang versé, c'est ça qui fait mal. Pourquoi Gbagbo allait en prison à Eble Goudé? On dit qu'il y a eu 3 000 morts, non? Le sang versé, là, c'est pour cela qu'ils sont allés en prison. Et puis, ils ont dit non, que ce n'est pas eux qui sont à la base de ça. C'est à cause de le sang versé. Le sang versé, c'est pour cela. Tu es au courant de ça? Mais pourquoi vous faites semblant? Où il y a la vérité, vous ne voulez pas parler de ça. Vous voulez tourner pour dire contourner, pour dire non, vous êtes ceci. Non, non, non. En cas, c'est dit la vérité. Pourquoi se mentir? Pourquoi se dire non que oui, lui, il est bon, lui, là. Non, non, non. Quand il y a la vérité, on doit se dire, et puis on va avancer. Maman, souvent tu es sorti, même quand on analyse, même on pense que vraiment, Maman, tu déconnes. Mon éducation ne me permet pas de parler de gros mots à travers mes vidéos pour dire je vais vraiment te dire des propos qui vont t'énerver ou soit qui vont dire non, que je t'ai manqué de respect. Sinon, franchement, si tu étais jeune comme moi, il y a des propos, ils pourraient détailler un peu pour dire, ah franchement, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Mais en réalité, ce n'est pas bon. Toi-même, Maman Aïcha connaît, tu pouvais appeler ses parents, ceux qui sont à genoux, et tu vas leur dire, ah franchement, mes frères ou ma soeur, ce que vos fils a fait là, il a mal fait. Il a vraiment mal fait. Tenir des propos comme ça, tuer des gens, même si lui-même là, il a tué. Parce que ce qu'il a dit là, c'est vrai. On dit la vérité là. Quand tu tues quelqu'un là, hein, tôt ou tard, ça a sorti, tu as dit à quelqu'un, adieu. Moi, tant de gars là, moi, il a tué. Ah non, moi, il a fait. Lui aussi, il a dit, ah, moi aussi, il a tué. Lui dit, ah, moi, mais il a tué, il a tué. Et puis c'est parti comme ça. Mais quand Peter disait ça là, ils n'ont pas dit à Peter, oui, il faut dire ça là, on va te donner de l'argent. C'est des morts, des gens qu'il a tués là. C'est le karma qui est en train d'agir. C'est le karma qui est en train d'agir. En prison là-bas là, Maka, qui on dit Maka là. C'est pas tous ceux qui sont là-bas qui ont commis des crimes. Non. La plupart des gens, chacun a fait son délit, chacun a fait pour lui, chacun a fait ceci, chacun a fait cela. Maman, tu sais pourquoi ils ont mis la merci Peter 007. Mais vous faites semblant de ne pas connaître. Vous faites semblant de ne pas reconnaître que Peter 007 s'est dit, ses propos qu'il a tenus pour dire qu'il a tué les gens là. Pourquoi, quand vous voulez faire vos vidéos là, pourquoi vous ne mentionnez pas maintenant? Vous, c'est qui vous parlez de ça au monde entier pour que le monde entier sache que oui, Papa Alassane est mauvais. Non, il a insulté, et il a dit des oui, il a insulté à cause de ça. Mais il y a deux choses que vous oubliez. Ou Peter 007 a dit, j'ai tué des gens. Et encore, j'étais le chef des escadrons de la mort. Ça, c'est deux. Et des trois, je vais renverser le pouvoir coup d'État. Mais c'est grave. Dites-nous, c'est dans quel pays? Un citoyen de là-bas peut tenir des propos que Peter a fait sortir, a tenu. Et ils vont le laisser s'il rentre dans le pays-là. Et ils vont le laisser. Dites-nous, Maman Aïcha connaît. Dis-moi le nom du pays-là. Sur cette terre-là, dis-moi le nom du pays-là.
Moi, il ne peut pas trouver. Et moi, je ne vois pas. Donc, arrêtez de blaguer des gens. Arrêtez de blaguer vos petits-enfants ou soit arrêtez. Parce que quand vous faites comme cela, là, vous les encouragez à rentrer dans les deux bouches. Parce que imagine-toi aujourd'hui, si on laisse Peter tout à l'heure, on dit Peter Fodon, c'est bon, bon ça, tu peux rentrer en France. Ben, ce qu'il a là, c'est gâté. Là, c'est gâté. Là, on va dire, mais attends, on voit le système de, aux États-Unis, là, où il rentre là, il met paye port d'armes, il met paye tout ça là. Je suis armé, je vois lui là, lui, s'il m'énerve là, je le tue. Mais on va le faire ça. Parce que laisser des criminels comme cela, ceux-mêmes qui reconnaissent les crimes là, hein, c'est que c'est un danger potentiel pour le pays. C'est un danger potentiel pour le pays. Tu n'as pas pensé à ça. Tu viens, c'est parce que tu es maman Aïcha Kone, oui, tu es la diva, Yuguba, Baya, Yuguba, mais nous ne sommes pas là pour danser. Nous ne sommes pas là pour danser, Yuguba, Baya, Yuguba, non. Ça, là, c'est assez intense, ça. Même aujourd'hui, les gars, on va jouer la musique. Nous, on connaît, nous, on peut dire, bah, ça, là, c'est intense. Mais il y a des jeunes qui sont là maintenant, ils vont regarder, ils vont dire, mais c'est qui, c'est ça, là? Et ils vont dire, ah, bah, ça, là, c'est, vous ne la connaissez pas, c'est maman Aïcha Kone. Ah, c'est maman Aïcha Kone. C'est parce que la mentalité change et plus on passe à autre niveau. Vous comprenez? Mais pourquoi ce temps que tu as pris pour venir dire, pour venir s'adresser à papa, à sa femme pour dire, faut pardonner pour que tu puisses, on puisse libérer. Tu penses que ceux qui ont arrêté papa, ceux qui ont arrêté Peter, tu penses que c'est papa Ado, tu l'as arrêté? Tu penses que c'est le propos qu'il a tenu envers papa Ado qu'ils l'ont arrêté? Non, c'est le sang versé là. C'est pour cela qu'ils l'ont arrêté. Actuellement là, ceux qui ont perdu les enfants ou les parents que Peter a tués, puis eux l'ont reconnu là. Mais les gars sont là à déposer des plaintes. Hein. Les gars sont là à déposer toujours les plaintes. C'est ça nous on a appris. Imagine-toi. Maman Aïcha connaît pour que on puisse laisser Peter là. Il faut rentrer en contact avec des victimes, des parents des victimes là. Que Peter a tué. Il faut rentrer en contact avec eux. Il faut rentrer en contact avec eux. Tout ce monde que lui l'a tué, il faut rentrer en contact avec eux. C'est pas bon. On ne peut pas rester comme ça, même si on dit oui, c'est la paix. Même si on dit c'est la réconciliation. Mais quand même. Peter, bien avant qu'il va faire sortir ces gros mots-là, il venait en Côte d'Ivoire, non? Peter venait en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils l'ont arrêté? Non. Mais c'est quand il a fait sortir ces gros mots pour dire lui l'a tué des gens. Il était le chef de l'escadron de la mort-là. Mais c'est là il y a eu un sérieux problème. On dit, mais c'est quoi ça? Donc, maman Aïcha, quand tu parles, il faut nous prendre au sérieux. Il faut vraiment nous prendre au sérieux. Le pays que la Côte d'Ivoire est très sensible. En Afrique de l'Ouest, trois pays qui entourent la Côte d'Ivoire, ils sont actuellement en affaire de coup d'État. C'est les militaires qui gèrent le pays. Les gars même visent même de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais vous ne pensez pas à ça, maman Aïcha Kone. Toi-même, tu as fait une chanson pour Assimi Goïta. Tellement que tu aimes vraiment le coup d'État, tu aimes que les militaires gèrent parce que tu n'aimes pas Alassane. Tu n'aimes pas Papa Ado. Tu préfères un militaire venu au pouvoir enlever Papa Ado que le voir comme ça en train de gérer le pays, en train de développer la Côte d'Ivoire. Nous, on vous dit c'est le développement, nous, on cherche. Selon les injures, là, nous, on s'en fout des injures. Parce que quand on voit des gens qui insultent. Des grandes personnes qui manquent de respect aux grandes personnes, ça veut dire mais l'éducation même est ratée d'abord. Maman Aïcha Kone, si tu regardes ma vidéo, regarde ma vidéo jusqu'à la fin parce que après t'es dit là, je vais jouer la vidéo de Peter 007 et je pense que tu vas regarder. C'est qui les propos qu'il a tenus, c'est grave. Quand tu veux demander pardon à quelqu'un là, faut te mettre à la place des victimes. Des parents des victimes là, faut te mettre à leur place. Ah, moi, mais Aïcha Kone, si on tuait tous mes enfants, ou soit si on tuait mon fils que j'aimais, ou j'aime, quelle est ma réaction là? Matin, midi, soir, je me lève, et quand je vois quelqu'un en train de dire j'ai tué, et puis je suis content, j'ai la photo de mes enfants, de mon enfant, mon cœur saigne. Et tu constates que la personne qui a tué ton enfant, lui, il fait une vidéo pour dire j'ai tué l'enfant de telle personne, et matin, tu le vois, il vient à Abidjan. Toi, mais tu as dit quoi là? Toi, mais il faut imaginer. Il faut te mettre dans ce panier là. Ne faisons pas semblant de dire non que oui. Parce que Alassane, vous allez le traiter de n'importe quoi pour dire oui, il est méchant. Non, il n'est pas méchant, mais on doit se mettre au sérieux là.
On doit se mettre au sérieux. Ce temps que tu prends pour venir parler des parents de Peter, mais pourquoi vous ne pouvez pas sensibiliser la jeunesse pour les, en leur disant, hey, maintenant là où on est là, on doit être vraiment vigilant. Si des gens vous disent, venez dans les rues, partez dans les rues, n'allez pas là-bas, faites ceci. On peut rentrer en contact avec des telles personnes pour qu'on puisse vous donner emploi. Pourquoi vous ne faites pas ça? Vous êtes sur les réseaux sociaux, entrez dans les cités, la haine pour encourager des gens qui insultent des gens. Des grandes personnes. Et quand on vient mettre la main sur eux, c'est vous, vous sortez pour dire non, c'est pas bon. Oui, attends. Donc, Maman Aïcha connaît. Si quelqu'un se lève tout à l'heure, puis il insulte tes parents, toi, ça peut te plaire. Toi, mais tu vas rougir là-bas dans ta maison, tu vas sortir pour. Tu vas faire une vidéo pour dire pardon, arrête de m'insulter. Hein. Tu vas le dire. Demain, on insulte papa du matin, midi, soir. Si toi aussi, il faut te mettre à sa place. Si c'était toi-même. Donc, arrêtez d'accuser pour dire non que oui. C'est papa Ado qui a arrêté Peter. C'est pas papa Ado qui a arrêté Peter. Les actes que lui-même là, il a fait. Les erreurs que lui là, on dit quand c'est chi là. Souvent, nous tous, on est rentrés dans la fête des proverbes. Proverbe là, on va tuer ça. Quand il tend à la scène, il n'est pas dit VCD d'Abidjan ou soit dans les villes. Ceux qui ont fait village, on se connaît. Quand deux personnes vont à la scène, l'autre assis de l'autre côté, l'autre assis de l'autre côté, on se regarde et puis on est en train de déféquer. L'autre même a son caca. Tant mais tu sais que ton caca saint, tu dis, c'est caca de l'autre là, tu sens. Et puis tu fais, dis-toi ton caca saint. L'autre dit, moi aussi, ton caca saint. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc si toi tu dis non que oui, les parents de Peter te font pitié là. Bon, et ceux qui ont perdu leurs enfants là, toi tu dis quoi, maman? Toi tu dis quoi, maman? Arrête. Quand tu veux faire une vidéo, il faut faire de l'autre côté à l'exemple de temps. À le côté des temps. Là, quand c'est comme ça, on sait que oui, ton pardon est cessé. Mais où tu viens? Oui, parents de Peter, et eux-mêmes, ils sont à genoux. Oui, mais c'est Peter, mais tu as voulu que ses parents soient à genoux. C'est Peter, tu as voulu. Sinon, si Peter était vraiment quelqu'un qui ne voulait pas humilier ses enfants, ses parents devant le monde entier, il n'allait pas faire, il n'allait pas tenir ses propos-là. Il n'allait pas dire ça. Mais tellement que le sang était trop. Le saint était trop, c'est le karma là qu'il a envoyé en Côte d'Ivoire. L'émission c'est quoi? Allô Kavia. Allô Kavia. Puis toi même là, hôtel quoi? Il dit là l'argent, donc quelqu'un t'a payé une voiture de 45 000 euros. Mais c'est quoi? Ils vont lui proposer, puis il va venir en Côte d'Ivoire. Lui, mais il a tenu des propos. Comment? On va lui prendre au sérieux, c'est le karma. Donc arrêtez de jouer avec nos sentiments encore. Alors, nous on est vigilants, hein? Sinon vous ne pouvez pas nous virgile. La famille. Bon, je passe là aussi, je laisse mes informations sur que les restaurants, les chefs restaurateurs, les gens qui ont les entreprises, tout cela, ceux qui cherchent des jeunes à aller travailler dans leur entreprise, voilà, vous pouvez me contacter. J'ai des personnes qui sont vraiment galvanisées, qui veulent vraiment travailler. Parce qu'on a besoin d'aider cette jeunesse-là à aller de l'avant. Vous comprenez? On a besoin que cette jeunesse-là s'élève à aller de l'avant. Parce que si vous laissez cette jeunesse-là rester là à la maison, le jour où il y a les petits trucs comme cela, ils sont prêts à aller dans les rues, les tuer. On ne veut pas voir le sang versé encore en Côte d'Ivoire. La famille, je laisse toujours mon numéro WhatsApp. Juste, si toi, tu veux intégrer dans le groupe de sensibilisation où on peut vous aider à trouver du boulot et des chefs aussi qui ont les entreprises, il ne faut pas vous aller aussi. Vous focalisez si pour dire je vais travailler dans le bureau ou je vais être. Non. Aussi ceux qui ont les champs des VIA, les champs de cacao, champs des etc., etc. Vous aussi, vous pouvez me contacter. Des gens aussi qui sont dans les villages, qui veulent vraiment travailler aussi dans les trucs. Et aussi, je peux vous amener des personnes aussi qui veulent travailler dans votre champ. Donc, tout ça là, ça fait partie aussi de la vie parce que. D'autres disent non, la vie est en train de devenir chère en Côte d'Ivoire. Mais quand le pays est en train de se développer, là, tout le monde, tout ça devient cher. Imagine-toi, Seri ou Kone a construit une maison et puis on dit la route est en train de. Route là même, c'est la poussière. Et puis on met goudron là. Mais la maison, si c'était à 10 000 francs, il va dire Joe. Il a vu goudron passer, il va dire Joe, c'est 15 000 maintenant. Mais tout devient cher. Donc tout est en train de s'augmenter. Donc laissez ça là. La famille, à l'intérieur même, à la vie même. Est chic même que Abidjan. Tu peux venir passer les vacances à Abidjan et te retourner à l'intérieur et te mettre à l'aise. Donc, ceux qui veulent intégrer le groupe
de sensibilisation, le groupe aussi d'aider des personnes et aussi des personnes qui ont la bonne volonté d'aider la jeunesse, vous pouvez rentrer en contact avec moi parce qu'il y a des gens qui ont les projets, qui veulent vraiment réaliser les projets, mais ils n'ont pas de financement aussi. Donc, chers frères et sœurs, les parents, vous pouvez me contacter. Quel que soit le pays où tu te trouves, tu peux me contacter. Si tu veux aider vraiment des jeunes, tu as ton entreprise, tu veux aider des jeunes, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Moi, je peux faire vos pubs de votre entreprise et aussi, en récompense, moi, je vais vous envoyer deux personnes qui vont aller travailler chez vous. Une personne ou deux personnes à travers vos pubs que je vais faire. Je peux faire vos pubs pendant un mois, au moins quatre fois, chaque semaine, une fois, chaque semaine, une fois. Dans le mois, ça fait quatre fois vos pubs. Mais en retour, moi, je ne dis pas que donnez-moi l'argent. Moi, l'argent que vous voulez me donner, là, gardez ça. Je veux une personne de mon groupe aller travailler chez vous. Moi, c'est mon travail qui est là. Et c'est mon combat que je mène, c'est ça qui est là. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes. N'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum pour que ça arrive loin. Un jour aussi, un entrepreneur ou quelqu'un qui a son entreprise peut regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et aussi, il peut me contacter. Moi aussi, je peux vous contacter. Et vous allez partir là-bas. Ne regardez pas mon physique, ne regardez pas mon visage pour dire, toi, mais tu as quoi? Et puis, c'est toi, tu veux chercher boulot pour les gens. Non, c'est ma voix. C'est fini. Donc, la famille, je vous dis à très bientôt.